Un consortium de quatre souhaités minières, dont à sa tête, docteur Makongo, qui fait un don d'une enveloppe de 500 millions de francs guinéens à la Fédération guinéenne de football. Ce sont les souhaités minières Guinéa Birmian Gold SA, 100 millions de francs guinéens, GBG Bauxite SA, 100 millions de francs guinéens, GBG Bauxite SA, 100 millions de francs guinéens, Gold Exploration SA, 100 millions de francs guinéens, Japon. 100 millions de francs guinéens, Neo Japon Mining et compagnie, 200 millions au total, 500 millions de francs guinéens. La remise des différents chèques a eu lieu cet après-midi dans un hôtel d'Abidjan en présence de quelques membres du bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football. Ceci au nom du président général Mamadi Doumbouya et de son ami personnel Bouba Sampil avec qui il a entretenu une amitié vieille de plus de 15 ans. Uh il y a quatre sociétés qui sont dans le portefeuille de notre bureau d'études que j'ai réuni. Nous sommes là pour soutenir le peuple guinéen pour aller arracher cette victoire demain contre la Guinée équatoriale. Et comme vous avez attendu, notre groupe GGE GBG New Japan Mining et GBG Guinea Boxit a promis si Sili National gagne demain, il y aura une enveloppe de 100 000 dollars qui sera distribuée aux joueurs et aux, aux staff Demain, que nous tous, on se donne la main. Nous tous, on se met à prier, que nous tous, on se réunit. Derrière l'équipe nationale pour arracher sa victoire. Allez, Sili, allez la Guinée, allez la victoire de même. Le président de la Fédération Guinéenne de Football exprime sa gratitude à l'endroit de son ami de fortune pour son soutien infaillible à toute épreuve. Il rassure de l'utilisation rationnelle de ces fonds absorbés par la nouvelle équipe de la Fédération Guinéenne de Football avant de souhaiter une qualification au Sili national pour la Fédération guinéenne de football, de chaque quatre chèques dont le total fait 500 millions. En plus de ça, c'est un accompagnement d'un du, ami personnel. Et aussi, il le fait au nom du président, le général Mamadi Doumbouya. Et sans oublier la motivation pour le match de demain. Et euh, il octroie, si on gagne, on... Contre Guinée équatoriale, il octroie 100 000 dollars à l'équipe et tout le staff. C'est le moment de le remercier et de dire qu'il peut toujours continuer et compter sur nous pour le développement du football guinéen. Dr Makongo promet une enveloppe de 100 000 dollars au SIL national de Guinée en cas de qualification pour les quarts de finale.